Entendez-vous là-bas, au fond de la vallée. Entendez-vous là-bas, au fond de la vallée. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Tu viens faire un coup. Vous avez un coup. Je te donne un coup avec un peu de papier. Bon, quand il s'agit de deux coups, Gambo de A pour deux coups. Voilà. Deux coups. Deux bons papiers. Deux coups. Bon, là. Le papa client, un client vient ici. Il dure comme si c'était l'enfant qui venait faire. Il dure à l'auberge comme si c'est l'enfant qui venait faire. Bonjour mon frère. Bonjour. Donne-nous une heure là, s'il te plaît. Vous êtes venu faire quoi? Si vous êtes venu boire, je vous sers à boire. Mais si vous êtes venu pour prendre une chambre, mes chambres ne sont pas occupées, mais pour vous, c'est occupé. Votre couple est strictement interdit d'entrer dans ma chambre. Parce que comme là, vous me bloquez tout. Tout ici, vous fétichez la chambre une fois. Le client, c'est une nuitée encore, même un peu. On t'a payé l'autre jour, non? Client. C'est mieux par politesse qu'on ne parle pas de ça. Si vous voulez consommer, je vous sers à boire. Mais la chambre, désormais, mais qu'à Bangkok, je ne vous veux plus. Vraiment, je t'ai déjà parlé de l'affaire ici. On a enterré ton nombril ici. C'est quoi à chaque jour ici? Il ne dort pas ici. C'est quoi? On a enterré son nombril ici. Hein. C'est notre père du quartier. Il ne peut pas déranger. Voilà donc ça. Je ne, comme tu parles là, le problème même c'est vous deux. Je ne sais qui est qui parmi vous deux. Il est inadmissible que chaque jour, quand tu viens ici, chaque temps, quand tu viens ici avec cette fille ici, dès que vous prenez la chambre pour une heure, 1500, une heure, sieste seulement, c'est comme si vous avez fétiché la chambre là. Puis il y a un tchapning, vous avez fétiché la chambre. Parce qu'un client n'entre plus là-bas jusqu'à ce que je sèche les matelas. Mais on dit une dame poussée, vous avez pissé sur le lit. Pissé. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a? Comment les grandes personnes comme vous pissez au lit? Pissé au lit? Hey. Oui. Non, c'est la sueur. Quelle sueur? La sueur que tu es Nganou. Même Nganou qui fait la boxe là avec Mignoxi, il ne peut pas avoir déjà les sueurs là. Quelle sueur? Monsieur, je mouille beaucoup. Pissé au lit comment? Tu mouilles beaucoup, hein? Quand tu fais la boxe pour mouiller beaucoup, vous pissez au lit, madame. Oui, chérie. En fait, elle est fontaine. Elle est fontaine, mon père. Elle est fontaine. C'est une femme fontaine. C'est une femme fontaine, hein? Et c'est sur mon lit que tu as choisi faire la fontaine? C'est sur mon lit? Toi-même, quand tu viens faire la fontaine sur mon lit comme ça, là, que je n'aime pas ouvrir, tu fais la fontaine sur mon lit que les autres clients vont venir faire comment? Bon, mon père, tu me prends une bière, tu me donnes une heure, là, s'il te plaît. Client, c'est même pas que je ne vous veux pas, hein? C'est que bon, quand vous faites comme ça, la première jour, après le client arrive seulement, moi, je viens changer de gras. Il dit seulement que, oui, mon frère, il a plu dans la chambre, il pleuvait ici, mais que le lit est mouillé. Bon, ça va aller. Prenez une journée humidée. Oui. Comme ça, je sais que le matin, je vais sécher le matelas. Vous pouvez s'y venir quoi, non? On n'a pas prévu ça. Vous venez seulement le coup coq pour me gaspiller la journée. Mais là, comment je suis derrière? Moi aussi. Non, va aller ailleurs. Ça va? Je vais trouver les solutions, vous ne voulez pas? Allez faire vos fontaines sur les autres lits. Allez faire vos fontaines là-bas. C'est une femme fontaine. C'était prévu, c'est prévu dans les contrats. Normalement, les femmes fontaines, on va payer une nuitée. C'est même toi qui m'aimes là, les histoires comme ça. Chaque jour, les motets quittent la maison familiale. C'est quoi? À ton âge? Laver le gras, c'est combien? Encore sécher les matelas pour pisser au lit. Prends le prétexte. Il faut boire l'eau de haricot. Vous partez sur les fourmis au village. Les fourmis, ça vous mord bien. Comme ça, vous n'allez plus pisser au lit. Comme moi, auberge, je suis fontaine. C'est le petit prétexte.
ou pisser sur les matelas. Consomme un fruit. C'est comment? Ça ne va pas. Il y a encore quoi? On m'a chassé en mariage. On t'a chassé en mariage? Vous avez fait comment pour vous entendre jusqu'à vous venez, tous mes petits frères et petites sœurs, vous venez au même moment au travail, à mon lieu de service comme ça. Vous ne voyez pas que c'est un trouble de service? Vous ne pouvez pas m'attendre à la maison ou tu m'appelles au téléphone, vous ne m'avez même pas appelé. Même pas zéro fois, je suis avec les clients. Même comme le travail ne marche pas ces derniers moments, je viens d'avoir deux clients là. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que pour arriver chez nous, on doit t'appeler? Chez vous, c'est aussi chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Mais le vieux a laissé la maison pour qui? Est-ce que c'est seulement pour toi? Elle a les problèmes dans son foyer. Donc il faut qu'elle trouve une place. Mais tu as un peu les paroles déplacées. Hein? Non, c'est pas déplacé, c'est que. Depuis que tu chantes là, jusqu'à. Les gens te voient à la télé. Tu te prends la tête. Laisse la chanson. On est en train de parler. Oui, sérieux. Son mari l'a chassé. Donc il faut qu'elle trouve une place pour rester ici pendant un temps. C'est aussi la maison de la famille. Attends, elle trouve un temps où à l'auberge, voilà la maison que j'avais. C'est la maison, mais libère là-bas, tu lui donnes une chambre, reste là pendant que. Tu veux rester à l'auberge? Grave l'auberge. C'est la maison que tu as transformée en auberge. Grave l'auberge. Maintenant, j'ai bien transformé la maison. Tu transformes la maison familiale en auberge comment? Ok. Je dis, hein, j'allais demander votre avis, même pas Zondjo, je suis le successeur. Mais tu demandes notre avis, c'est normal. C'est normal que tu demandes notre avis avant de faire. Qui t'a mis successeur? Je dis, tu parles à Sangassam, tu parles à Sangassam, je dois Sangassam comme si tu parlais à ton égal. Non, je peux te maudire, hein? Je te dis juste la vérité. Quand vous parlez, vous voulez, non, ça passe pas dans ma tête. Ce que vous parlez, non, ça passe pas dans ma tête. Oh, petit. Parlez bien. Oh, doucement, hein? Grand, moi, je suis rien avec toi, grand. Moi, je suis rien avec toi. Moi, j'ai mes clients ici. Vous venez transformer mon lieu de commerce en quoi? Ton lieu de commerce, grave. C'est la maison familiale devenue le lieu de commerce. Et tu suis dépassé là. La magie. Elle est devenue le lieu de commerce. Ah, vous êtes entendu? Ben, vous voulez me parler fort alors? Calmez-vous, attendez un peu. Je vais passer un coup de fil. Allô? Pourquoi on trouve une conclusion? Qui revient vite ici là, on va finir ça aujourd'hui. Tu dois gérer ça, Emise. Toi, tu dois gérer parce que vraiment. Il arrive, non? Vraiment, moi, il sait pas comment il veut vivre. Mais moi, je peux pas vivre chez toi. Avec ta femme, moi, il peut. Non, calme-toi, Dia. Il arrive. Il fait quoi là? Ça va, alors, tu vas arriver quoi? Attends, ouais. On va finir tout ça aujourd'hui. On va finir. Il peut pas prendre les vieux du pâté, il fait de ça pour lui. C'est impossible. Nous, on fait comment? Vraiment. Vous avez fini de chanter? Hein? Vous avez fini pour Mimba chanter? Bon, nous, on chante de ses mains, hein. Je vais vous dire quelque chose. La famille même Mambontenia, c'était une famille à part. La famille Sangassam, c'est moi le successeur. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu vas prendre la malédiction, Minx. Ouais. Tu vas contester ce que la famille avait laissé. Regarde. Trouve une chambre là-bas, tu mets la fille dedans. Elle va rester là pendant un temps. Ça, c'est la meilleure. Tu viens taper la main ici au lieu de service. Tu viens péter. Mais c'est la maison familiale. Tu as pas quoi aller le servir que toi, tu chantes même, non? Je suis dépassé. Tu prends une maison familiale, toi, tu transformes ça en auberge une fois, mon frère. On fait ça. Vous êtes jaloux. Je dis, hein? Oui. Quelqu'un ne peut pas payer, c'est une heure, il tue, c'est un coup en paix. C'est quoi avec les bruits? Client laisse. Client laisse. C'est à ta vous pas dit. C'est une concession vous familiale. Je vous ai pas dit. C'est familial. Va, je te monte encore une heure. Pour l'excuse de trouble de jouissance. Prends tes choses, tu commandes ici là. Hé! Hey, mais commencez pas les choses prends comme ça! Affaires, hein. Tu sors comme tu es en train d'entendre là. C'est une affaire de. On te respecte, grand. Si tu es sage, prends ton argent. Bon, prends tes choses, tu sors d'ici là. On te respecte. Vous voulez péter, tu veux? Grand, te respecte, oh! Je vais me déshabiller ici, hein! On va gâter ici, hein! Mais c'est pas tes choses que tu vas gâter ici, là! Ne fais pas, je me déshabille, hein! Tu as tous ceux qui sont dans le couloir, là, sortent! Sortez, sortez! Ne venez plus! C'est pas parce que depuis on parle, je ne reprends pas, moi je vais rester ici, là! Je vais vous maudire! Je vais rester, tu vas maudire qui? Je vais vous maudire! Tu vas maudire qui, Karagan? Je vais vous maudire! Tu vas maudire qui? Je vais vous maudire! Non, laisse-moi, papa, depuis on parle, il est la force! Tu as quelle force? Le père Amoura avait dit quoi? On ne conteste pas les successeurs. Ah, bon, on ne parle pas fort aux successeurs. Okay. Et puis quoi? On a construit notre maison. La maison c'était pour les filles. Donc il savait que nous, on peut, tu comprends que ça peut arriver que nous on perd le mariage et puis on vient rester ici là. Tu n'as pas prendre la maison de notre père pour mettre
vous ou c'est quoi que je suis en train d'organiser après. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Tu as fini? Je n'ai pas fini. Il peut arriver que tu perdes le mariage parce que tu te comportes mal. Je vais t'amener chez ton mari. Je ne rentre plus. Je vais rester ici là. Je vais dormir là. Je reste ici. Tu vas rentrer en mariage. Non, je vais rester. Je vais rester ici là. Tu vas rentrer en mariage. Comment quelle histoire ça? Tu te parles? Oui. Même bien familial n'est pas un patrimoine. Toi seul, c'est bien de tout le monde. Quand on dit bien familial, c'est pour tout le monde. C'est pas ton patrimoine à toi seul, c'est pour nous tous. Donc, mets ça dans la tête. Même en Jésus, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, fais attention. Je sais que tu as tout le vouloir. Quand le père mourut, on avait dit que c'est moi le successeur. Avec quoi? Où sont les papiers là, mon Dieu? C'est la famille qui m'a nommé. Ils sont où? Tu veux contester ce que le chef Bamena avait dit? Qui, quand, où, on est où? Le chef Bamena avait parlé. Sa majesté. Tu as transformé en snack. Je vais transformer pour que le père ne va pas manger quelque chose. Mais c'est la maison. Okay. Les gens de la famille veulent miss rester. Laisse, miss, laisse alors. Même que les gens de la famille vont rester. Depuis que c'est là, il a donné combien à qui? Toi, tu as reçu combien d'ici? Ah, toi, tu as reçu combien d'ici? Tu veux raconter quoi? Maman, est-ce que le travail donne encore? Les gens ne viennent plus. Celui qui se reçoit, c'est qui? Au nom de Dieu, c'est le premier client de lui deux jours. Mon frère, sors, sors. Oh, sortez! Papa, pardon. Pardon. Moi, allons, non, allons. Là. Je reste ici. J'habite ici. Il dit que j'ai raté le mariage, Kalaga, je reste ici là. Je reste ici. Je me parle ici. Tu te parles ici. Je me parle ici. Pardon, venez le porter. Je me parle ici. Je suis avec la fesse. C'est ce que tu es en train de faire. Je ne vais pas t'en sortir, même en justice. Je me pendre ici. Tu as deux solutions. Soit tu vends la maison, partage les biens. Je vends. En justice. Où je vends? C'est inadmissible que mes frères qui sont là ont la maison et sont dehors. Voilà. Pendant que toi tu es là, tu fais l'argent là-dedans quand les gens sont allés chercher la maison. C'est vrai que moi un peu plus regarder ça. Mm-hmm. C'est si j'ai prêté l'argent à la les banque. Les petits sont là, tous sont là. Il y a la maison, tu les empêches d'entrer pourquoi? Papa, tu sais que tu t'en sors. Non, t'es chaud que tu dis que. Miss! Succession, on n'est pas dedans. Miss, tu sais que tu t'en sors. Deux solutions. Soit on vend, on partage les biens. C'est tout. C'est à toi de voir maintenant. Et moi je ne suis même pas pour qu'on vende. Moi je vais rester ici là. Je prends ma part des chambres ici là. Mon ami, sors. Tu vas venir ici, on va te confondre à un bordel. Il n'y a pas de problème, Kalaga, je suis ta petite soeur. Ici, c'est si tu acceptes qu'on me confonde... Jusqu'à tu es même fier quand tu dis ça. Mon père, tu crois que les gens qui sont ici viennent rien de plus à une tante? Il n'y a rien à foutre. Ah, pas criant, qui t'avait demandé de rendre sa robesse? Quand on va partager l'argent là, tu vas encore aller faire l'auberge dehors avec. Tu comprends, non? Ça, c'est la maison familiale. Tu comprends? Si tu vis ici, ça veut dire que nous tous aussi, on peut vivre là. Mais tu peux encore venir chercher quoi ici? Non, moi, il n'y a pas les problèmes là, mais eux, regarde. Ils cherchent la maison, ils vont faire comment? Donc, ils ont la maison, ils vont rester dehors alors qu'ils ont la maison. Quand tu te transformes en obèse, quand tu bloques, tu ne veux pas que les gens entrent. Je suis dépassé. Vous m'avez dit ça? Affaissé. Bon, papa, chaque mois maintenant, hein, c'est que ça travaille, je vais essayer. Il n'y a pas chaque mois. Quand il fallait faire ça, tu n'as pas fait. Claire. Soit on vend. On vend. Tu donnes l'argent aux gens, soit on prend juste. Après, soit on reste. Après, toi aussi, c'est nul. Moi, je ne suis même pas pour qu'on vende les gens. Ensuite, tu vas perdre. Après, attends. Après, fais la réunion pour moi. L'argent là, tu vas vous le belge. Mais souviens-toi que tes premiers disques, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Pour que tu ailles parler au studio. T'es que t'es un tambour. Je ne te permets pas de parler à mon grand frère comme ça. Je ne te permets pas. Souviens-toi que toi, quand tu étais paralysé, au but, tu as été. Avec l'argent des disques là. Donc, supposons qu'il t'a rangé les biens de ça. Supposons qu'il a rangé les biens de ça. Vous avez toi, vous fait la réunion sur moi. Comment t'as dit, Kalaga? Deux solutions. Soit tu vends, on partage l'argent. En justice, vous allez perdre. On va renvoyer ça 214 000 fois. J'ai mes relations qui sont des magistrats et des procureurs. Je vous avertis. Quand je vais passer un coup de fil à Bifuna, vous allez voir. Ma chance de famille comme ça. Que l'un ballon lit ça. Que l'un familier. Hein? Ils vont faire comme ça là. Ils vont me chasser le dernier client que c'est derrière eux que je mange quelque chose. Hein? Ils blaguent même la succession là. Je laisse ça. Hein? Voilà ça. Reprends tes condoms. Voilà tes condoms. Trop de bruit. Vous avez fait les bruits jusqu'à Manjumbala. A cru que son gars était là. Elle est passée par derrière, elle est partie. Donc, je n'ai rien fait. Rembourse-moi. Papa, tu n'as pas occupé la chambre. Je n'ai rien fait. Les bruits. Elle a fui. Je dis, hein. Non, laisse-moi parler.
Vraiment, franchement. Même s'il y a eu le bruit, est-ce que c'est moi qui va venir faire le motivation dans la chambre pour que Yoé Zozombo, pour que tu te donnes ce que tu vas prendre? Papa, tu as occupé ma chambre. J'ai dit que prends même une heure de plus. Ma famille est venue déranger. Trouble de jouissance. Rembourse-moi. Ouais. Voilà tes deux condoms, non? Rembourse-moi, monsieur. Ok, j'ai compris. J'ai pris note. La prochaine fois, considère que tu n'as pas fait. Tu vas venir faire deux fois, sans payer. C'est comme nous sommes quand même des amis, hein? Ouais. Tu viens ici, seulement entre. Mais que bon, bah, tu entres seulement. Ok. Tu comprends, non? Ok. Ouais. Excuse pour ce qui s'est passé, hein? Excuse. Mais, Moussa, c'est quoi cette mine? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quoi? Non. La jalousie a commencé. Les choses sont en train de m'arriver très mal. Mais de chez moi, là, j'ai entendu les bruits. Pom, 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 pom. C'est ma famille. Ce sont mes petits frères et mes petites sœurs. C'est eux qui viennent entrer sur moi comme ça. Ils sont jaloux de moi par rapport à l'auberge comme j'ai créé ici. Pour que ça me donne un 5 francs. Ce sont moi, ce que je peux manger avec les enfants. Ils disent que maintenant, on va diviser les biens. Quand la maison était là, simple comme ça, personne ne traversait. Maintenant que j'ai arrangé, jusqu'à y voir que ça peut déjà me donner 5 francs, jalousie toi. L'autre qui est parti en mariage vient dire que son mariage est fini, elle veut venir occuper la chambre ici. Tes mains vont bien, ils ne veulent pas me laisser. Mais Moussa Jean Kalagan, Moussa Diabab Changnagoye Douyan, on ne peut pas prendre un bien commun et en faire sa chose personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant de transformer la maison en auberge, tu allais demander leur avis. Tu ne l'as pas fait. Les avis comptés par rapport à quoi? Je ne suis pas successeur. Et tu es successeur. Moi-même, je suis successeur, mais je ne fais rien chez nous. La concession que mon père a laissée sans demander l'avis de mes frères et sœurs. C'est ce que tu devais aussi faire. Hein? Ah, papa, je sens, c'est comme tu me parles comme si c'est toi qui les as envoyés. Oui. Non, non, non. Tu es en train de parler comme si tu les as envoyés pour venir. Parce que je te vois. Depuis l'autre jour, tu m'as demandé le crédit de bière. Mais au Mbunga, il n'y a pas de crédit. Maintenant, un peu, tu es en train de militer déjà en leur faveur. Comme si c'est un envoyement. Je vous dis, retour à l'ascenseur. Et je vous bloque tous. Vous êtes jaloux de mon auberge. Je sais que c'est l'auberge aussi qui vous dérange. Maintenant, vous venez mettre les choses de famille dessus. À partir d'aujourd'hui, l'amitié s'arrête. L'amitié s'arrête. Je ne te dis que la vérité. Quelle vérité? C'est comme ça qu'un successeur se comporte. Quelle vérité? Mais tu mets ton neveu dehors par rapport à quoi? Hein? C'est ta maison, tu n'es que le successeur. J'ai mis quel neveu dehors? Il a une part ici? En tant que l'enfant de ta soeur, il a droit ici. Au nom de sa mère. Bon, ok, je comprends que vous avez fait la réunion ensemble. Libère. Ce n'est pas la réunion. Libère! Ah, moi, je te dis aussi. Pense l'ombre, tu viens penser. Libère! Je te dis aussi la vérité. Libère! Maintenant, je vais filtrer même les clients ici à l'auberge aussi. À quoi que les ballons là? Quand quelque chose marche, tout le monde a les yeux sur ça. Quand ça ne marche pas, on néglige. Hein? On chasse les clients. Hein? Et c'est même ça, c'est ça qui me soutient debout que mes clients font, mon Dieu. Parce que quand je comprends quand même les aïe, ouh, ah, ça fait que je vive quand même encore mes derniers instants. Hein? Cette auberge aura lieu. Bon, comme ma tribunal, il part au tribunal, on va voir. Je vais trouver un vigile ici maintenant. On n'entre plus comme n'importe comment ici. Merde.